Mes projecteurs, le grand frère Longuet Longuet Massicia. Bon, c'est la blague. Grand frère Longuet Longuet, je te dis merci pour ce genre de comportement. Depuis que je suis sous la toile, je n'ai pas encore vu un grand frère qui s'est comporté bien comme toi. Je reçois souvent les sissières, je reçois souvent les menaces. Mes projecteurs, Longuet Longuet m'a écrit. Hier, yeah. Parce qu'il était fâché contre mon, il était fâché de mon comportement. En fait, j'ai publié une vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui parlait, bon, il y avait quelqu'un qui critiquait Longuet Longuet dans son action, l'aide sociale et tout, et humanitaire. Voilà, donc, j'ai pris cette vidéo, j'ai pris un morceau et j'ai posté. Longuet Longuet m'a écrit. Il y avait beaucoup de respect, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Longuet Longuet, il dit, bonjour Franco, j'aime ce que tu fais. Ça veut dire qu'il me suit bien. J'aime ce que tu fais. Mais Franco, pourquoi depuis que je publie les vidéos sur le frère Prince Aimé, tu n'as pas partagé? Tu n'as rien dit. Mais quand quelqu'un vient me critiquer, c'est ça que tu prends pour balancer sur la toile. Mon petit, arrête ça, ce n'est pas bien. J'ai lu ça. Il est venu ibé. Il pouvait me clasher. Il pouvait m'insulter. Mais il est venu ibé. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect. Il m'a écrit. Ça m'a touché. J'ai directement effacé les vidéos là, sur toutes mes plateformes. Soit YouTube, soit Facebook. J'ai directement supprimé. Parce que j'ai lu le message là. Ça m'a touché. Et j'ai décidé que non, grand frère. J'ai dit désolé. J'ai prévu faire une vidéo pour présenter ce que Longuet Longuet a commencé depuis pour ceux qui ne sont pas au courant avec Prince Aimé. Je vais vous laisser écouter la vidéo. Mais avant ça, je voulais encore féliciter, avant que vous ne regardiez la vidéo, je voulais féliciter encore Longuet Longuet pour son comportement. Je reçois souvent les sissiens, les gens qui viennent m'insulter, me dénigrer. Non, le grand frère m'a parlé avec tout le respect. Ce qui fait que si je ne le respecte pas vraiment, ce n'est pas digne. Quand un grand frère te parle bien comme ça, tu lui dois tout le respect qui existe au monde. C'est pour cette raison que non, grand frère, ton message, juste la façon dont tu m'as abordé, tu m'écris, ça m'a touché. Grand, et j'ai supprimé tout ça. Voilà la vidéo, que, voilà le combat que Longuet Longuet mène avec le frère Prince Aimé. Moi, je suis ça depuis, ça me touche. Les gars, écoutez vraiment. C'est très important. Écoutons. N'appelez pas Prince Aimé seul. Hein? Appelez-moi aussi. Hein? Parce que moi, j'ai dit que si on me sollicite pour un spectacle, je vais appeler Prince Aimé. Ça, c'est vrai. Hein? Donc, il faut que quand vous appelez Prince Aimé, que Prince Aimé vient chanter, appelez Longuet Longuet aussi, l'ambassadeur des causes sociales. L'homme qui aide, tu m'as dit, tu sortais regarder une chambre. Ça, c'est vrai. Voilà, une chambre. Les gens, ils ont tous les habitants, hein, qui viennent te dire, pourquoi tu quittes? Ceci, cela. Parce que maintenant, ils voient qu'on a lancé le direct, hein, et que ça fait la une. On parle de toi. Alors que tu étais là avec eux depuis que tu es rentré de Paris. Ça fait aussi 3 ans. Personne ne venait dire que Prince, faisons comme ça. Hein? Ne change pas. Moi, j'ai une ministre ici où il dit que Fosso a fait 6 mois avec Talent et Talon. Tu comprends? Si ce n'était pas occupé, moi, je te donne une chambre. Et moi, je te contrôle. Moi, je suis sûr de prendre soin de toi jusqu'à et que tout marche bien. Si j'ai donné la vie à mes frères, qui n'était rien. Hein? Combien de fois avec toi qui es déjà un fonds de commerce? Tu es un vrai fonds de commerce. C'est parce qu'il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'homme d'affaires. Au Cameroun, laisse-moi dire ça. Parce que les artistes comme les Missengo, c'est des artistes qui ne doivent pas galérer. Des artistes comme les Longuet Longuet. Nous sommes l'argent, je suis l'argent. Jette-moi en euros maintenant. Je te fais en un mois, je te fais comme ça là, 25 000 euros. C'est vrai. Entre le farotage et les cachets, je te fais facilement 25 000 euros. Donc, tu ne dois pas te négliger. C'est vrai que c'est fort. Mais comme Dieu t'aime, parce que je vais te dire quelque chose, hein, si Dieu ne t'aimait pas, il ne te mettait pas sur mon chemin. Toi, tu vois ça, non? Tu vois la réaction des gens, non? Tu pourrais même passer à Canal et passer à Equinox. Ça ne serait jamais la même réaction. Je te dis. Tu devais passer, que tu pouvais passer à Kinos, passer à Canal 2, ça serait jamais la même réaction. Projet, c'était
La chambre de prince aimé, moi j'avais promis 50 000. Malgré qu'on a volé mon argent, je maintiens toujours ma parole, je promets les 50 000. Parce que ta chambre, il te fallait 7 mois. C'est ça. En raison de 50 000. Une chambre moderne. Tu n'es pas n'importe qui quand même. Et maintenant, il faut qu'on paye quelqu'un. Il faut qu'on paye quelqu'un qui sera là comme ton bras. Qui sera seulement à ta disposition. Parce que c'est ce qui te tue. Tu vois, il faut quelqu'un qui a au moins 50 000 par mois. Donc ça, il t'avait dit que il faut qu'on parte chercher une femme au village. Parce que la femme là, elle sera la mère de ton enfant. Et maintenant, elle va travailler avec toi. Elle va t'amener partout. Comme la femme de Tala, non? Quand je parlais de femme. Pour la femme, on va voir. Pour la femme, on va voir. Tu n'es pas encore chaud. En tout cas, tu n'es pas un enfant et on ne doit pas te forcer. Parle de quelque chose quand même. Oui, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont appelé, à Sylvain de Luxembourg qui m'a promis de me faire un geste. Même comme il n'a pas encore réagi, mais je sais qu'il va le faire. Oui. Alors de la Suisse qui a également promis de me soutenir dans les jours qui viennent. Donc je dis merci également à Faras de Paris qui a également promis de me soutenir à merveille. Des USA qui a promis de me faire un... J'ai coupé à ce niveau, vous avez compris l'essentiel. Le principe c'est quoi? C'est de soutenir Prince Aimé. Vous-même vous avez vu comment, je ne vais pas dire fini. Parce que comme Longuet a dit, un artiste ne finit pas. Voilà, vous-même vous avez vu l'état de Prince Aimé. Ça reste vraiment à cirer. C'est un peu bizarre de vraiment voir notre Prince Aimé dans cet état-là. Donc, j'ai présenté cette vidéo déjà pour que ceux qui ne savent pas dans quelles conditions vit Prince Aimé, de venir en aide à Prince Aimé et d'encourager le grand frère, le tonton Longuet Longuet dans cette initiative. Que vous me connaissez aussi dans ça, l'aide sociale, ce n'est pas facile. Il y a toujours les gens qui vont toujours venir dire donc grand frère, je m'excuse encore. Et beaucoup de courage, que Dieu te protège, te donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour continuer le combat qui n'est pas facile. Moi, je connais ce combat parce que j'ai moi-même mené ce combat. Je n'ai pas laissé tomber, mais j'ai juste mis une pause. Je vais continuer après. Pour l'instant, nous on te suit, grand frère. Beaucoup de courage. Il y aura toujours et toujours les ondes. Désolé encore.